Poussez vers l'Éternel les cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Nous invitons toute l'Assemblée à se lever pour entonner les paroles du cantique au numéro 104 de la section française des Chants d'Espérance. Du ciel, bientôt, Jésus va revenir. Si c'était aujourd'hui, tout radieux, nous le verrons venir, si c'était aujourd'hui. Alors, tous les saints à sa vue, ses enfants sûrs de sa venue, iront avec lui sur la nuit, si c'était aujourd'hui. Si c'était beau.
quelle belle espérance pour nous autres tes enfants, pour nous autres les sauver par la grâce. Nous avons cette espérance du retour en gloire de notre Sauveur bien-aimé. Et c'est ce qui réjouit notre cœur ce matin en entonnant les paroles de ce cantique. Du ciel bientôt, Jésus va revenir. Ô Dieu notre Père, voilà le cri de nos cœurs que nous t'adressons ce matin pour dire à ton Fils bien-aimé, viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus, ton Église t'attend. Oh merci de nous avoir réunis dans ce sanctuaire pour chanter les paroles de ce cantique. Merci de nous avoir rassemblés à tes pieds bénis avec cette espérance certaine et véritable. Oh Dieu notre Père, fais donc ce matin que nos cœurs s'apprêtent à attendre le retour de ton Fils bien-aimé. Seigneur, merci pour ton Église. Merci pour les paroles qui remontent du plus profond de nos cœurs pour t'exprimer ce vœu ô combien important pour chacun de nous. Fais donc que le moment à passer en ta présence ce matin soit le plus agréable pour chacun de nous, mais beaucoup plus glorieux pour toi. Ce sont des grâces préclamées au nom de notre Sauveur bien-aimé, lui qui vit avec toi dans l'intimité du Saint-Esprit, dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et tandis que nous sommes debout, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous allons lire alternativement les paroles du psaume 24. Le psaume de David, psaume 24. Et après la lecture de ce psaume, nous entendrons comme à l'ordinaire la doxologie. Gloire à Dieu, notre Créateur. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a le règne au sang et le cœur de l'huile, celui qui ne dit pas son âme au mensonge, et qui ne joue pas au trompé. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui est mort, de ceux qui cherchent la face de Dieu. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Hier soit le roi, l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Non, est le roi de gloire, l'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Amen.
frères et mes sœurs bien-aimés, avant d'entendre la seconde lecture de la parole de Dieu et par notre bien-aimé frère Loulou, nous allons entendre la chorale d'hommes de l'Église dans une première interprétation à votre édification et à la gloire de l'Éternel notre Dieu. Thank you.
nous fait lecture de la parole de Dieu. Nous voyons une lecture de la parole de Dieu matin dans 2 Pierre chapitre 3, verset 1er à verset 9. 2 Pierre chapitre 3, verset 1er à verset 9. Tout qui est chapitre 8, verset 1 à verset 9. On dit que lui second, ce n'est pas 1241. Espérant que tout le monde a commencé comme ça. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris dans l'une et dans l'autre. Je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et du Sauveur, enseignées par vos apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra les moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par des choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés par le feu pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelqu'un le croit, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Que bon Dieu notre grâce lui bénisse par lui. Amen. Dans l'espoir de l'Église de voir son Sauveur face à face, dans l'espoir de chaque chrétien de voir Jésus dans sa beauté, je vous invite à chanter avec moi les paroles de ce cantique au numéro 102 de la section française des Chants d'Espérance. Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité, oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Thank you.
Seigneur éternel, Papa nous qui dans le ciel. Nous bénissons au matin. Tu fais que nous avons une opportunité pour nous venir dans le pied. Pour nous louer dans, pour nous voir gloire, pour nous voir louange que vous-même seul méritez, cher Seigneur. Nous bénissons du fait que vous êtes dans le ciel, mon côté papa, et notre côté de l'humanité, Seigneur Dieu, tu as fait bagaille qui mal, Seigneur Dieu, vous êtes venu mourir en place nous, vous êtes dans la vie, cher Seigneur. Vous êtes mourir. Après, Seigneur Dieu, vous ressuscitez, voilà au chita, dans le vieux papa. Et désormais, vous dites à tout le monde qui croit en vous, à tout le monde qui fait volonté, à tout le monde qui marche droit devant vous, vous venez pour venir chercher vous, Seigneur Dieu. Maintenant, papa, nous demandons ouvrir les yeux pour que nous puissions comprendre, Seigneur Dieu, que vous pas loin pour venir, Seigneur Dieu. Des signes, Seigneur Dieu, et avant que vous montrez nous que vous pas loin, vous retournez, papa. Aidez-nous, Seigneur Dieu, pour que nous mettions parole en pratique, pour nous vivre des paroles, pour nous marcher droit devant. Parce que, Seigneur Dieu, parole nous dit, Seigneur Dieu, un jour, c'est un pour mille ans pour vous-même, papa. T'as pris, Seigneur Dieu, nous-mêmes, l'église baptiste de Siloé, Seigneur Dieu. Aidez-nous, Père Saint, mon Dieu, pour nous pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à bénéficier par en nous, à manger par en nous, et puis Seigneur Dieu, et puis nous pas faire ça, on dit nous pour nous faire, papa. Aidez-nous, Père Saint, mon Dieu, pour nous être la caille ou de jour en jour, Père Saint, parce que nous avons un jour que vous venez chercher nous, Seigneur Dieu. Et jour ça, Seigneur, c'est pas un jour qui va louer, Père Saint. Parce que, parole nous dédie, lorsque nous gardons, nous, Seigneur Dieu, nation à lever contre notre nation, nous avons des guerres à gauche à droite, Seigneur Dieu, criminalité tout partout, Seigneur Dieu, on savait montrer nous que pas loin pour venir, Seigneur, nous avons tout le bagage, Seigneur, Matéan, Père Saint, aidez-nous, Père Saint, dans nos esprits de bon comprendre, Seigneur Dieu, pour nous voir le petit temps que nous y est, pour nous voir le petit temps que nous vivons. C'est vous-même, Seigneur Dieu, ou pas loin vous retournez. Matéan, Seigneur Dieu, nous demandons à tout le monde, Père Saint, qui l'église là, Matéan, Seigneur Dieu, qui va veiller. Seigneur Dieu, nous demandons, Père Saint, éclater au réveil, Seigneur Dieu, individuel dans le cœur de chaque, afin que, Seigneur Dieu, pour que nous puissions comprendre que l'esprit, Seigneur Dieu, pour nous être